Salut à tous, c'est Trolldy, c'est permis, épisode 23. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, la question est: peut-on afficher un petit poney dans le terminal? Je parle bien sûr de la célébrissime marque développée par Hasbro, après en jouets, en dessin animé, bref. Le truc pour, dirons-nous, des petites filles qui aiment jouer à la poupée. Voilà. C'est aussi un clin d'œil, même du monde geek, qui aime bien utiliser le petit poney pour parfois exploser un peu de rire. Mais la question est: peut-on vraiment avoir un petit poney dans le terminal? Cette question m'est venue après être tombé sur la site de distribution qui s'appelle la Moibuntu. Et attention, si vous êtes diabétique, vous risquez une crise d'hyperglycémie au bout de quelques secondes sur le site. Vous allez comprendre pourquoi. C'est rose bonbon! Rien que vous restez 3 minutes sur le site, votre taux de sucre, il a pété en vol. Donc voilà, ça inspire cette question: peut-on avoir un petit poney dans le terminal? Oui, non, voilà. Vous avez la Mobuntu. Je vous mettrai dans le descriptif, vous inquiétez pas. J'aurais dû ça parce que là, je commence à avoir le taux de sucre qui monte pas mal dans le sang. Et je crains une crise d'hyperglycémie. Donc, on va ouvrir le terminal. Voilà, donc c'est un Power Level ZSH, enfin, ZSH Power Level 9K. Un brin personnalisé, mais vous savez, quand on tombe du terminal, par exemple, quand on marchait pas, par exemple, une aile moins A, c'est pas extraordinaire. Mais est-ce qu'on peut avoir un petit poney qui nous affiche ça? Oui. Si je tape Pony Say, une aile moins A, hop ça, mince. Si je mets avec, ça sera mieux comme ça. Et voilà, vous avez votre petit poney qui peut très bien varier. On va prendre un autre, on va recommencer. Voilà, vous avez votre petit poney en ASCII art qui apparaît. C'est pas mal, non? Voilà, donc je vais mettre un autre dernier. Boom. Et voilà, vous avez votre petit poney qui vous affiche ça. Si vous préférez, par exemple, en pensée, je pense que c'est votre Pony Think. Voilà. C'est pas mal quand même comme ASCII art. Hein. Donc c'est le programme Pony Say. P-O-N-Y-S-A-Y. C'est un dérivé de Cowsay qui permet d'avoir un petit poney à la place d'une vache qui dit la même chose. Parce que si on fait Cowsay ou Cowthink, voilà ce que ça donne à l'origine. Cowsay. Cowthink. Voilà! C'est un petit clin d'œil à un programme un peu complètement starbé qui existe dans le monde Linux. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, je vous souhaite un bon vendredi et à la prochaine. Ciao !